Salut vous toutes, salut vous tous, on y va pour ce quatrième tour avec tout d'abord merci à Roms pour un petit commentaire sur l'épisode 2. De mémoire, c'était suite à l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus, où tu m'as rappelé qu'effectivement on pouvait avec 3 points d'exaltation devenir exalté. Et c'est vrai que le cas de Dayak est particulier parce que lui n'a pas d'intention secrète, ça il le précise bien. Mais par contre, comme avec assimiler les génomes, il peut doubler la valeur de blessure au moment de faire son jet, il a beaucoup plus de chances d'acquérir ces 3 points d'exaltation rapidement et donc en cours de partie de pouvoir passer exalté. De même que pour UR25, en fait, on n'est pas obligé d'attendre de résoudre, tuer un spindle drone pour avec une action d'arme pince énergétique au cours d'une expédition. Mais là, il a ses 3 points d'exaltation. Je pourrais le faire passer exalté. Ce que je ne vais pas faire parce que je me suis tellement bien habitué maintenant à faire les relances avec ces points d'exaltation. Mais je vais voir pour la crypte cachée, on s'en approche. Et si ça se trouve, on va s'exalter à tour de bras. Tout dépendra de qui va pouvoir accéder à cette crypte, bien sûr. Pour l'instant, nous reprenons à ce tour 4 avec Pius, Dayak et UR25 qui vont agir en premier. Thaddeus, lui, se retrouve à être en dernier. Je vais probablement le laisser dernier. Tout ça va dépendre par contre des jets que l'on va faire, notamment avec le destin. Savoir ce qu'il nous réserve. Eh bien là, c'est bien. Et ça va pouvoir servir à Thaddeus avec le soin. Il faut que j'essaie de me focaliser sur au moins un ou deux soins. Parce que j'avais réparti les blessures, hein, bien évidemment, au dernier tour. Et puis, chacun a une blessure légère. Donc là, si je veux aller affronter les Urgules à peu près sereinement, il faut que je pense. Alors, Thaddeus, c'est pas bien. Il a du mal, hein, à se remettre de sa petite blessure légère, pourtant. Pius, c'est pourri, elle pourra au moins faire un incendie. D'ailleurs, c'est elle qui va commencer. Alors, c'est très bien parce que ces pions incendie là-bas ne servent plus du tout. Donc, elle va pouvoir continuer de protéger les arrières du groupe. Dayak, c'est pas exceptionnel. Il ne pourra pas de nouveau placer un piège. Et ben, on continue quand même avec UR, sa petite série de 6 à chaque fois. Il en fait au moins un depuis 3 tours. Qu'est-ce qu'il va nous manquer? Ah oui, la réflexion donc c'est de se dire, est-ce que oui ou non, on fait manœuvre ou tir de couverture? Alors là, ça va s'étudier avec ceux qui restent, notamment les Rogues Psykers qui vont agir après nos 3 premiers explorateurs. Donc ouais, ce serait bien d'en conserver un comme ça un petit peu en base arrière pour pouvoir aller les cueillir. Auquel cas, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce soit Pius? Ah, mais ils ne vont pas pouvoir, ils n'ont pas de ligne de vue les uns avec les autres, là, entre Pius et Thaddeus, ils ne peuvent pas échanger leur place. Je ne vais pas péter des dés pour faire une manœuvre pour ça. Ensuite, ça pourrait être Dayak et Thaddeus, puisque Dayak se déplace quand même de 3, donc il aura vite fait de rallier un Psyker assez rapidement. Je vais certainement faire Allez, je le fais. Tir de couverture entre Dayak et Thaddeus, ce qui veut dire qu'ils peuvent échanger leur place dans le tour d'initiative. Et Thaddeus va pouvoir faire un soin sur Dayak avant que celui-ci n'agisse. Ça peut être pas trop déconnant. Eh bien, c'est parti avec Mademoiselle Vorn qui, dans un premier temps, va récupérer ses 2 pions incendie et elle va les replacer quasiment tout de suite hein, puisque là on va avoir l'homme bête qui va se bouger. Le temps qu'il nous rattrape normalement, on va avoir de quoi s'éloigner un petit peu.
Donc elle, déjà, elle va faire un déplacement. 1, 2, elle est obligée de s'arrêter là. Oh, c'est intéressant ce petit duel lance-flamme contre lance-flamme. Regardez-moi ça. C'est tout cool. Et puis, eh bien, un coup de lame tronçonneuse, Vindictor. Ah, il lui faut un 4+ quand même. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas super. Elle a un 1, un 5, et puis un 5 et un 6 dans le destin, mais non. Bon, ceci dit, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ah ouais, alors là, le choix est quand même pas évident. Il faut de toute façon que le Guardsman lance-flamme la dégage. Donc elle va faire. Ouais, elle consomme le 5 plus du destin pour faire sa lame tronçonneuse Vindictor de façon à le rater. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la mistinguette? Un œil bionique. Donc elle peut relancer. Ah non, je ne le prends pas. Je l'ai dit, je vous l'ai dit. Lui aura une blessure. Il n'a que 2 points de blessure. Elle a donc épuisé cette carte. Ensuite, ah tiens, elle pouvait faire, ah ouais, l'amélioration de cortex, je l'oublie fréquemment. Épuiser cette carte pour effectuer une manœuvre avec cet explorateur sans avoir à dépenser de dés d'activation. On y viendra. Alors, elle lui a fait une blessure. Son brûleur, elle va quand même pas défausser cette carte pour éliminer un simple petit lance-flamme. Non, non, il n'y a pas grand danger pour l'instant. Il lui reste 2 dés. Eh bien, dans ce cas, avant de. Ou bien elle se redéplace de 1, voire même de 2 peut-être. Mais s'il y a des renforts qui arrivent, là, ils vont arriver par le portail. Ah ouais. J'aime bien, moi, mettre mes incendies juste devant les cases portail. Elle pourrait faire 1, 2. Et puis, eh bien, j'ai appliqué ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire comme ça. Parce que si toutefois on a des renforts qui arrivent, eh bien, je les ferai arriver par ce portail-là. Ils seront toujours aussi proches d'un explorateur que possible. Donc, elle s'est déplacée, elle a mis l'incendie, elle ne se soigne pas maintenant. Elle n'a pas de jet d'exaltation à faire, c'est à Thaddeus. Alors là, Thaddeus, je vais vraiment appliquer d'une part un coup de masse énergétique sur le petit bonhomme là, qui s'est pointé, le pauvre. Bon, ben voilà, il aura été vaillant, pas très longtemps, d'accord, mais n'empêche qu'il nous sucre. Il nous sucre des dés, parce qu'on est obligé de lui taper dessus. Allez, un coup de masse, c'est fait. Maintenant, Thaddeus se rapproche. Voilà, il se met pile au milieu de tout le monde, et là, il a le choix de pouvoir soigner Pius, Dayak, ou bien UR25, ou bien lui-même, hein. Il peut se soigner lui-même avec le 6 de la réserve de dés du destin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va miser sur Dayak parce que Dayak a quand même le visiocrâne, le contrat Urgul. Donc il faut que Dayak soit préservé au maximum. Et puis de toute façon, d'ici la fin de cette expédition couloir de la mort, il aura certainement encore une chance de ressoigner quelqu'un. Bien, il lui reste un dé à Thaddeus, alors il ne va pas attaquer. Ça me paraît risqué de s'engouffrer comme ça dans le couloir. En même temps, il faut bien faire quelque chose. Puis là, sa cape, hein, sa cape de thermoplaste qui peut le préserver quand même, sûr de la défense. Donc allez, il fait ça, il s'engouffre dans le couloir. Il part un petit peu en éclaireur pour s'assurer que le Psyker est bien encore là-bas. Psyker d'ailleurs qui sont toujours débridés. Il faudra que je revérifie cette
Cette règle, 18, ça c'était pour un éventuel point d'exaltation pour Thaddeus, qu'il n'aura pas. Maintenant, UR. Alors lui, UR, il va... Il n'a aucune cible, même éloignée. Ben, il va déjà tenter de se soigner, ce qui serait quand même bien. Donc, un petit jet de vitalité. Et c'est le D12. Il va bien finir par réussir. Voilà. Il enlève sa blessure. Il retrouve tout son potentiel. Et grâce à son 6, il rejoint Thaddeus. Alors, pas de mise en alerte. Là, je veux vraiment que... Enfin, moi, je veux rien, moi. Moi, j'applique seulement, c'est Janus. Janus qui leur donne les ordres pour peu que la communication avec Précipice passe correctement. Mais c'est Janus qui leur demande d'avancer et pas de mise en alerte pour l'instant. Il n'y a pas grand danger. Pas de jet d'exaltation. Je vérifie quand même les cartes du R25 pour les relances, les défausses. Non, il n'en a pas besoin. Allez, maintenant, on passe sur des renforts du groupe Space Marine, Psyker, Lancelot. Tiens, d'ailleurs, en le disant, c'est un groupe d'hostiles et quand on fait un lancer pour des renforts, si ça fonctionne, on fait revenir les renforts en fonction des... Comment je vais dire ça? Des figurines présentes. Mais là, ça ne veut pas dire que je fais rentrer toutes les figurines. Mais non, c'est moi qui choisirai si ça se produit. Entre petit socle et grand socle. Allez, on y va. Renfort, donc, inférieur ou égal à 4. Non, mais je suis obligé de relancer. 20 et 19. Bien fait pour vous. Groupe 1 a joué. Maintenant, groupe 3. Non, groupe 1 n'a pas joué. Allons. Allons, 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 allons. Les Psykers ont le droit d'effectuer leur action. Alors, eux, on a dit qu'ils étaient débridés. Ah oui, c'est le fait de lancer les 2 dés violets. Et là, cas particulier quand même pour les Psykers, je vais me laisser une double chance de ne pas retomber sur la perturbation. Aucune ligne de vue. Allez, sur celui qui est là-bas à l'ouest. Aucune ligne de vue sur personne. Il fait une perturbation. Donc, il nous... Ah ben non, c'est bon. Perturbation. Il sucre le dé du destin. Parfait. On n'aura pas de blessure. Ensuite, le Psyker Est. Aucune ligne de vue. Il attend. Il est malin. Il entend le bruit que fait... Le robot impérial UR25 avec sa grosse carcasse, très difficile d'être discret. Et là, il va nous faire un petit truc bien senti quand on va se pointer à sa hauteur. Maintenant, groupe d'hostile 3, ce sont les Négavolt et les hommes bêtes. Alors, l'homme bête là-bas devra jouer. Pour l'instant, on vérifie les renforts Négavolt 4. Alors, là, c'est très bien parce que sur un 4+, il n'y a pas de renfort, mais je ne suis pas obligé de relancer. Et bien voilà, mon renfort pour le groupe a été fait. Je ne vais pas faire... Oui, c'était ça ma réflexion tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a deux types d'hostiles différents dans un seul groupe que je fais des tests de renfort pour chaque type différent. C'est un jet de renfort par groupe. Eh bien, il va falloir que j'ai bien ça en tête parce que, mine de rien, c'est super important. Maintenant, homme bête, mon petit bounoum, là, avec ton coupe-coupe relevé, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu ne vois plus personne. Sur un 17, tu fais une charge. Ben oui, ben c'est bien, ça, une charge. Donc, alors, je crois qu'il se déplace de 3, pas du tout. 1. 2, alors bêtement, hein, il suit la direction qu'a pris Pius. Et puis, bah, comme il n'a pas pu attaquer, il a bien fait son double déplacement vers les explorateurs les plus proches. Ça, c'est très très bien vu. Ensuite, groupe d'hostiles de les snipers. Alors, eux, c'est un G
normal. 7 supérieur à 4, je relance. Et 15, ça s'arrête là. Voici un tour 4 qui nous permet de nous rapprocher de la tanière des Urgules plutôt tranquillement. En fait, on a l'impression de progresser un petit peu, non pas à tâtons, mais très, très discrètement. Que va faire Dayak? Alors lui, il a de quoi relancer. Le contre-urgule ne lui sert pas pour l'instant. Il peut viser sans dépenser de dés d'activation, mais par contre, ça implique de défausser la carte. Il ne va pas faire ça. Est-ce qu'il s'occupe de l'homme bête, là? Pour l'instant, c'est pas la menace ultime. Il a bien 3 dés à dispo, plus de dés du destin. Moi, je crois qu'il va aller coller une bastos tout de suite au petit gars là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça lui a fait consommer 2 dés. Mais là, il se retrouve au corps à corps. Il peut utiliser pistolet et lame de fusil. Mon garçon, c'est 4... Bon. Ah, pap, pap, pap. Je défausse. Un G raté est un G relancé. Seulement une blessure. Enfin, seulement. Petit début. Il ne peut vraiment rien faire d'autre. Si, avec la perle de méditation, il épuise la carte, il dépense un d'exaltation pour retirer une blessure. Ah bah, il est déjà soigné. Parfait. Bon. Ah, c'est pas terrible. Hein. On s'attend toujours à ce que nos explorateurs, en un seul coup, puissent éradiquer complètement le... Comment, un ennemi seul, comme ça. D'autant plus que le Rogue Psyker a un bouclier psychique. Donc, sur 20+, la blessure est annulée. Et comme il est débridé, sa blessure s'annule sur un 16+9. Non, mon garçon. Tu conserves la balle que t'as envoyée Dayak à bout portant dans ton corps. Dayak a fini, pas de jet d'exaltation. Donc là, c'est la phase... la phase événement, avec un 16. Tableau spécifique, effort héroïque. Non, pas du tout. Exaltation. 15 à 17, exaltation. Le chef choisit un explorateur qui gagne un point d'exaltation. Eh bien, ce que je vais faire, je vais en redonner un à Dayak, qui doit pouvoir se soigner régulièrement. Et là, ce que je disais en démarrage de ce tour 4, je pourrais le faire passer exalté. Mais non, il va finir comme ça. Je préfère continuer cette utilisation de points de relance. Voici qui est fait. Fin du 4. On enchaîne avec le 5. Ce qui est super dans ce jeu, par contre, c'est que au fur et à mesure que le plateau est nettoyé, eh bien, les tours vont de plus en plus vite. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, en le disant, on passe au tour 5. Avec notre destin en premier, double 1, ça vire par contre encore un 6, 2, 3. Super. Thaddeus, que 3D. Ah, un autre 6, donc il pourrait faire 2 soins sur ses camarades. L'incendie encore dispo pour Pius. Dayak a retrouvé ses 4D. Très bien, ça. Tiens, j'ai pas mis la pâte à fixe sous mes fiches et voyez ce que ça donne. Ah, il y a même un autre 5. Bah, c'est super, ça. Bien, Dayak. Très, très bien. UR, lui aussi, s'est soigné. Tiens. Bah oui, c'est une habitude. UR fait des 6. C'est comme ça, je le dirai à chaque fois. Bon, bah là, c'est quand même pas mal en possibilité. Alors, notre piste d'initiative... Elle est avec les Négavolt Tombet qui agiraient en premier. Lui, je n'ai pas envie qu'il vienne taper Pius comme ça. Ah, un appel de Janus, excusez-moi.
Voilà, Janus tenait absolument à me faire part d'une petite réflexion, de se dire n'oublie pas d'utiliser l'amélioration de Cortex, épuiser la carte pour effectuer une manœuvre sans avoir à dépenser de dé d'activation, puisque j'en étais à qui ? À Pius, justement. Puisque oui, je disais que je n'ai pas envie que l'homme bête vienne nous embêter. Donc, elle fait quand même son jet, qu'elle rate, elle n'intervertira rien. Par contre, Dayak et Thaddeus peuvent faire un tir de couverture en échangeant leur carte d'initiative sur la piste, et ça va permettre à Dayak d'agir en premier, ce qui sera bien. Ce qui serait bien aussi, avec à dispo les 2-6 de Thaddeus, et bah ouais, qu'il agisse en dernier de façon à effectuer peut-être 2 soins s'il y a besoin. Bon, ça se présente pas trop mal. Alors, démarrage du tour, nous avons dit avec Homme-Bête Négavolt. Est-ce qu'il va y avoir des renforts ? Pour l'instant, non, toujours pas. Maintenant, l'Homme-Bête qui, quand même, hein, a pris soin de faire tout le trajet pour venir nous rejoindre, fait un 11. Il a il n'a pas de ligne de vue pour l'instant sur quiconque. Sur un 11, c'est une charge. Donc, un premier déplacement. Il ne se retrouve pas au corps à corps. Donc, il continue son déplacement pour arriver adjacent à Pius, mais ne l'attaquera pas tout de suite, en tout cas. Ben voilà, ça s'est très, très bien passé. Maintenant, Dayak, alors lui, il va falloir qu'il dézingue le Psyker. Et il a pas mal de choses à dispo. Bah, tout simplement, hein, il va prendre sa plus faible valeur. Et puis, c'est toujours les 2d8 pour pouvoir faire son attaque de corps à corps, pistolet, lame de fusil avec, waouh, blessure grave, blessure légère. Alors, le Psyker étant débridé sur un 16+, il annulera pas. Donc, voilà. Enfin, un premier Psyker qui saute. Merci, Dayak. Ensuite, il lui reste quand même de quoi continuer d'agir. Il va avancer. Bah oui, oui, il faut qu'il avance. Alors, pas de 6 pour mettre un piège. Et puis, il est à couvert. Donc, bah, en plus, hein, il a une très, très forte agilité. Il vient se mettre là. Il est à 3 de distance sur le second Psyker. Cette fois-ci, c'est avec le fusil Kraut D12. Une blessure, lui aussi étant débridé. 2 ne l'annule pas. Allez, une première, et puis, eh bien, il se met en alerte. Ah, là, c'est intéressant de l'activer, Dayak. Il va se faire une mise en alerte. Alors, j'ai mis le marqueur sur son dernier dé. J'espère que je vais y penser. Hein. Dayak est en alerte. Il avait raté ou pas tout à l'heure ? Non, il avait réussi. Et là, il lui a fait une blessure. Ok. Donc, c'est pas mal du tout, ça. Maintenant, on va passer à UR. Bah, lui, UR, il ne peut que, finalement, consommer ses 3 dés pour au moins venir là. Alors, attention, il est sur l'entrée quasiment de la tanière Urgul, mais d'une part, j'enlève ça qui était un événement autour 2 ou 3, je ne sais plus, mais ça n'a plus lieu d'exister. Et les Urgules n'agissent que s'ils ont une ligne de vue sur quelqu'un. Si le petit là-bas au fond, si UR se met là, celui-ci va le voir. Ah non, parce qu'il y a le... Il y a le couloir là, là il y a un mur. D'accord, donc il faut vraiment rentrer à l'intérieur. Il peut rester là, UR, c'est très très bien. Par contre, il pourrait utiliser
son arme à 4 à 1 plus, portée 4 de distance, ça se tente. Il n'aura pas fait tout ce chemin pour rien. Ouais, blessure critique. Viens là, toi. Inférieur ou égal à 16. Oui, super tactique ça. Alors là, chapi, chapeau les gars. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Psyker, donc on ne va pas se risquer à perdre un dé du destin pour l'instant. Tiens, d'ailleurs, point d'exaltation éventuellement pour Daya qui n'a pas fait son jet tout à l'heure en éliminant. Ça n'est pas assez. EUR doit faire son jet. Ça n'est pas correct. Donc ni l'un ni l'autre ne récupère de points. Mais au moins, on est d'équerre. UR à jouer. Il nous reste quand même 2 dés du destin. Hein. Si avec ça, on n'a pas matière à éliminer le dernier homme bête et se regrouper, ah, ce serait génial de se regrouper à la fin du tour 5 là-bas. Après, on risque de déguster sérieusement à cause de la barrière pour pouvoir la traverser. Oui, Pius, je m'occupe de toi. Alors, déjà, ça, on oublie. Pour l'instant. Pius est blessé, mais Thaddeus n'est pas loin. Donc, on conserve le plan de se dire qu'elle pourra se faire soigner. Elle est au corps à corps. Un coup de lame tronçonneuse avec 4+. Et elle va espérer finir l'homme bête. Non, raté. Elle consomme son 5+. Critique. Qui dit critique sur l'homme bête dit éradication de ce dernier, puisqu'ils n'ont pas de. Comment ça s'appelle? Ils n'ont pas de protection. Et je suis en train de voir que tout à l'heure il était où? Il était ici. 1, 2, 1. Ah, faut que j'applique ça. Charge féroce plus 1 à la valeur de mouvement lorsqu'il effectue une action chargée. Et tout à l'heure, il a bien fait une action chargée, mais je ne sais plus s'il était ici ou ici. Et je ne veux pas revisionner. Donc, pistolet, arme de mêlée, il attaquerait Pius avec le D12. Bon, en tout cas, il mourra. Hein. On note qu'il va se manger la blessure critique. Et je lui. Non, 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 non. Là-dedans. Hé! Tu arrêtes. Putain, putride, purée. Il collerait donc une blessure grave à Pius. Sauf si elle arrive à s'en dépatouiller avec un jet de défense. Ouais! Et je suis joueur, hein. Vous ne pourrez pas dire le contraire. Donc là, Pius annule la blessure qu'elle aurait pu se prendre par l'homme bête. Et maintenant. Cet homme bête-ci est brûlé sur place. Non mais oh! Alors Bruno, je rejoins ce que tu m'as dit déjà une fois, celui que j'ai choisi en piste de lancer. Là, c'est vrai que c'est pas terrible et je comprends quand tu disais qu'en avoir une qui est plutôt en longueur et pas carrée, c'est quand même mieux. Bon là, en même temps, c'est un petit peu étriqué parce que je passe mon bras au-dessus des cartes, donc c'est. L'amplitude est pas géniale hein, d'utilisation, mais quand même, si c'était une piste tout en longueur, ce serait un petit peu mieux. Donc j'aviserai pour changer ça. Bref, il reste un dé du destin pour Pius. Et il lui reste un dé aussi d'ailleurs. Donc elle va bouger dans un premier temps pour passer devant Thaddeus. Et puis, il lui reste son 3. Alors, elle va tenter de se soigner. Comme ça, si elle y arrive, il restera toujours les 2 dés à Thaddeus. Pour soigner qui? Ben lui-même. Et oui, c'est pas mal ça, puisqu'il ne reste plus que lui et Pius qui sont blessés. Donc, jet de vitalité pour Pius. En plus, elle n'est pas si dégueu que ça. C'est une réussite, elle se soigne. Maintenant, il resterait un dé du destin
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rebouge tout de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, elle vient là. Maintenant, Thaddeus va commencer par tenter de se soigner lui-même. Critique. Donc, hop, la blessure s'en va. Et puis, ce qu'il va faire, eh bien, c'est avancer une fois, deux fois, trois fois pour rejoindre UR. Et là, tout aura été consommé. Excellent. Vraiment excellent, voire parfait. On est maintenant arrivé quasiment sur notre lieu de quête. La tanière Urgul. Il va peut-être falloir deux tours pour s'en dépatouiller. Donc, je vais voir. Je vais voir, je vais voir si je ne fais pas justement tout de suite ce prochain tour. Le tour 6. Comme ça fera un gros épisode peut-être, mais on a moyen de le finir. Allez, c'est parti. Je vais commencer par une petite pénalité à Mademoiselle Vorn parce que j'ai fait une grosse erreur quand même de déplacement au tour 4 des couloirs de la mort. Donc, je vais pas lui supprimer un dé, mais je vais tout simplement lui faire épuiser son amélioration de cortex et son œil bionique pour ce tour-là. Voilà, elle a une petite pénalité comme ça, histoire de rétablir un petit peu l'équilibre. Et puis, sur la piste d'initiative, ça va être le groupe Space Marine qui éventuellement va avoir des renforts. Ensuite, Thaddeus et UR. Alors là, tactiquement, nous n'avons pas le choix. Il faut impérativement réussir un jet d'agilité pour franchir la barrière qui est restée tout au long de notre progression en activité. Donc, un test d'agilité pour la franchir en espérant qu'on n'aura pas trop de dommages à subir. Et puis ensuite, l'Énégavolt éventuellement avec des renforts. Et enfin, on aura le groupe 4, donc les Urgules, qui vont s'activer. Et là, ils vont faire les attaques, puisque UR et Thaddeus devraient être à l'intérieur. Puis après, les snipers, éventuellement. Non, pardon, Pius d'abord, les snipers. Et enfin, Daya qui viendra, je l'espère, en renfort. Alors, est-ce que le destin va être avec nous ou contre nous? Je vais dire 1, 2, 3, 4, 6, il est avec nous pour l'instant. Bien, ça c'est un bon démarrage. Thaddeus, qui n'est pas blessé, va bénéficier quand même d'un 6. Pius, pas blessé, non. Oh, 2, 6, ça c'est bien. Avec un 4 et un 3, donc on est plutôt sur des valeurs hautes. Dayak 4, 2, 3, 4, 5, petite suite. Non, si, petite suite. Et puis UR. Tiens, UR lâche l'affaire avec ses 6. Mais 2, 3, 5, sachant que là, il a au moins besoin d'un 4+ pour pouvoir rentrer de deux cases et se mettre à l'intérieur de la tanière et puis après encaisser un maximum de dégâts. C'est même d'ailleurs. Ce serait peut-être bien que ce soit lui qui commence pour tenter d'éliminer un maximum. Bah, de toute façon, ça va revenir au même. Peu importe, une fois qu'ils vont être à l'intérieur, ça va être kiff-kiff. Donc ça peut être Thaddeus qui commence. De toute façon, il va bien falloir se jeter à l'eau. Est-ce que l'on fait par contre des tir de couverture. Quel serait l'intérêt que Dayak rentre en premier? Eh bien, c'est lui qui a le plus en agilité avec son dé violet. Et puis après, il pourrait peut-être mettre un piège, mais en si petite configuration, non, ça va nous gêner. Il ne faut pas qu'il crame un D6 pour mettre un piège. Le D6 là va peut-être servir d'ailleurs à Thaddeus. Donc,
On laisse comme ça, Dayak en renfort qui agira en dernier. Et ben, d'ailleurs, en parlant de renfort, on teste tout de suite le groupe numéro 1 sur un 4+. Donc je n'ai pas à rejeter, mais par chance, il n'y aura pas de renfort avec ce groupe d'hostiles-là. Maintenant, c'est à Thaddeus d'agir. Alors, ne faisons pas n'importe quoi. L'amulette Warp, c'est sur un 6+. Le croc de Mamorph va infliger une simple blessure. Bah, c'est pas terrible. Toujours est-il qu'il faut qu'il commence par bouger. En faisant... Alors, je vais stopper son mouvement ici, sur la case de la barrière. Et il doit faire son test d'agilité avec son D6. Alors ça, c'est une réussite critique. L'explorateur n'est pas blessé. Donc, il peut continuer son mouvement et rentrer cette fois-ci dans la tanière. Obligation de se stopper. Non, je vous dis une bêtise. Parce qu'il a sa rune de phase. Ça, c'est chouette, ça. Carte à épuiser. Il effectue une action se déplacer. Il n'a pas à s'arrêter s'il se déplace sur une case adjacente à un hostile. Est-ce que ça a un intérêt de le faire là? Oui, pour libérer de la place. Puisque sinon, on va être bloqué par nos tailles de socle. Donc, son premier dé l'a fait déplacer de 2. Il pète un 1 d'un dé du destin pour se déplacer ici. Alors, attention à ses armes. Cerveau mitrailleuse, portée 2 à 3. Donc, il pourrait cibler le groupe de Urgul qui se trouve à 2 de distance pour faire 2 tirs. Pour tirer 2 fois. Ou bien, il va s'occuper plutôt de l'Urgul qui est juste à côté. Bon, dans tous les cas, il se déplace là. Il a libéré le passage. Et maintenant, mon garçon, Thaddeus Purifieur, vas-y, action. Bon, et bien là, il va utiliser le matériel qu'il a emporté en commençant par le gantelet de douleur d'Aitri. Il épuise la carte. Il fait un jet avec le dé de sombre roche. Adjacent et visible à un hostile, il doit faire supérieur à son total de blessures, c'est-à-dire supérieur à 3, auquel cas l'hostile subit une blessure en plus d'être sonné. Et vous l'avez vu, c'est un 5. Donc, première blessure pour le Urgul adjacent à Thaddeus. Et en plus, il est sonné. Alors, je ne sais plus ce que fait l'effet sonné. Je vais vérifier. Je suppose qu'il n'agira pas comme il le souhaite à ce tour-là. C'est très très rare que j'ai ça à appliquer. Ensuite, il va utiliser sur un 6+, l'amulette Warp, portée maxi 3. Donc, il va passer au second Urgul qui se trouve adjacent à celui qui a été blessé. Pour faire... Alors déjà, ça lui consomme son 6+. Ça veut dire pas de soin, mais de toute façon, vu qu'il joue en premier, aucun intérêt. De nouveau, on jette le dé de sombre roche, et il faut encore une fois 8, que le jet soit supérieur à sa valeur de blessure. Et là, cette fois, il est purement et simplement tué, et de 1. 1 en moins. Très bien. Alors, un petit mémo pour moi. C'est que, de mémoire, on ne fouille pas une case où il y a un hostile adjacent. On est trop monopolisé par le combat. Donc, voilà qui est fait pour ça. L'amulette est épuisée. Heureusement, pas défaussée. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il lui reste quand même 2 dés. Il a sa masse énergétique et son pistolet laser, bah, il va consommer son 3+, pour retaper sur le Urgul qu'il a déjà blessé. Et là, c'est le D12, donc normalement, ça devrait être
Rien. Il n'a pas de quoi relancer par contre. Il lui reste un 4, il va peut-être l'utiliser pour se mettre en alerte. Bon, il repioche un second dé du destin pour retaper avec sa masse énergétique, refaire une blessure. Les Urgules n'ont pas de protection particulière. Ça fait 2. 2 sur 3, peut mieux faire. Peut vraiment, vraiment mieux faire. Et donc, Thaddeus se place en alerte. Il faut absolument que j'y pense. Au moindre battement de cils du prochain Urgule, bim! Thaddeus réagit promptement, j'espère. Eh bien, il a le droit quand même de voir s'il bénéficie d'un non. Point d'exaltation. C'est refusé. Thaddeus, c'est fait. Maintenant, UR. Alors, UR doit faire son test d'agilité. Encore une fois, c'est un D6. Ah, alors là, il devrait se prendre une blessure. C'est bien ça. Donc, il se fait sucrer quand même son D5 à cause de sa blessure. Ok, il a 3 points d'exaltation. Il va les garder pour des relances. Et si il veut avancer de 2, il faut qu'il consomme le 4 des dés du destin. Ça lui permet quand même de rentrer ici au cœur de la mêlée. Et puis il va très certainement s'intéresser quand même au groupe de deux hostiles là. Il faudrait qu'il les élimine. En plus, pince énergétique au corps à corps, bah, c'est la seule chose qu'il va pouvoir utiliser malheureusement. Allez, pince énergétique, ce sont les 2D8 et il commence par un des deux là qui est juste à côté de lui. Aïe, c'est un loupé, mais avec les rémiges, il épuise la carte pour relancer et il a droit qu'à une seule blessure. Bon, je maintiens hein, que je blesse celui-ci, mais je vais peut-être maintenant tenter d'éliminer celui qui est blessé à côté de Thaddeus. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, ça? Ben non. Je peux seulement réattaquer une blessure, donc c'est parfait. Lui en moins. Donc sur 4 initialement, il n'en reste plus que 2. Ça a un petit peu nettoyé. Est-ce qu'il pioche encore un dé du destin? Je pense que oui. Parce que tant que c'est à nous de jouer, il faut vraiment qu'on en profite. Allez. Et puis rebelote, pince énergétique avec une autre blessure. Bon, sacrément bien entamé, c'est bien. C'est très très bien. Il a le droit, bien sûr, de tenter d'avoir un autre point d'exaltation. 14, non. UR a joué. Par rapport à ses cartes, c'est bon. Bon, il est juste effectivement blessé à cause de la barrière. Mais ça ne devrait pas être trop pénalisant. Après, groupe 3, les Négavolt et Homme-Bête. Renfort potentiel. 18, non, mais je relance et c'est un 10. J'ai eu énormément de chance avec les non-renforts depuis le début de la reprise de cette quatrième saison. Ah! Bon, alors, les renforts pour les Urgules qui s'agitent. Est-ce que j'ai parlé trop vite? 18. Est-ce que j'ai parlé trop vite? 7, non. Je vérifie quand même que à l'intérieur de la tanière, il n'y ait pas une petite règle spéciale. Non, la particularité des renforts Urgul, c'est uniquement qu'ils apparaissent dans leur tanière. Et sinon, en action, c'est forcément l'action bondir. C'est-à-dire que ces espèces de sales bêtes, un explorateur adjacent est visible, il effectue une action assaillir. Systématiquement, ils vont faire des assauts. Et les assauts, c'est assez méchant dans l'idée.
C'est extrêmement méchant d'ailleurs, oui, puisque ça lui fait faire deux attaques consécutives sur la même cible ou une cible adjacente. Donc là, c'est UR qui va manger des coups de griffe. Et comme ils sont frénétiques, ils jettent deux fois, non, trois fois leur jet d'attaque. Ça fait 6G sur UR25. UR, content de t'avoir connu. Et de 1, raté. Et de 2, un critique, aïe. Mais en test de défense, UR utilise le D12. Il a le droit de relancer. Ok, il annule. Nous en étions à deux attaques. Trois attaques sur UR. Rien. Quatrième. Critique blessure. Alors, premier jet pour son critique. Il annule. Second jet pour la blessure normale. Il annule. Encore deux attaques si je ne me trompe pas. Critique. Il annule. Et la dernière attaque de ce premier Urgul. Critique. Ouah! Ouah, ouah, sur 6 attaques, et j'espère que j'ai bien fait les 6, il est passé au travers de tout. Mais attention, il y a le second Urgul qui rentre dans la danse. Allez, c'est parti. Première. Critique, mais c'est pas vrai. Il annule. Deuxième. Critique. Ah. Ah oui, mais il relance. Il bénéficie d'une relance. Non. Donc, une blessure critique. Ok, troisième attaque. Blessure légère. Il annule. Quatrième attaque critique. Il annule. Cinquième blessure légère ratée, mais il relance. Blessure légère. Waouh! Ça y est, cette fois, il est hors combat. UR ne peut plus agir du tout puisque toute sa piste de dés a été prise par les blessures. Donc, il est retiré pour l'instant du plateau. Et il faudra voir si, à la fin d'expédition, il est malheureusement mis hors combat. Ok. Alors, ça veut dire quand même que Thaddeus peut fouiller comme il veut au prochain tour. Mais il faut que Dayak et Pius puissent rentrer. D'ailleurs, c'est au tour de Pius. Il va falloir qu'elle se précipite à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh là, elle est bancale, la mère Pius. Qu'elle fasse son test d'agilité. Allez, tu peux. Non. Et là, c'est pas bon. C'est un échec, une blessure et une blessure grave. Mais au secours, ça y est, ça commence. Donc, ça lui supprime d'un seul coup, d'un seul, ses deux. Une blessure grave. Ça lui supprime ses deux 6 en plus. Ça, c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Par contre, il faut qu'elle puisse faire, qu'elle avance d'une part. Donc, elle rentre là, avec son 4. Maintenant, elle consomme le 6 pour faire les flammes purificatrices. Alors, il faut qu'elle soit à portée de 2. Donc, elle se met ici. Et flammes purificatrices. Ça lui fait lancer quand même les 2 des 12. Ça ne se rate pas. Donc, on ignore les couverts. On rejette les dés pour le deuxième Urgul. Qu'une blessure légère. Ah, ben si, c'est bien. Une blessure légère. C'est bien parce que c'est suffisant pour éliminer celui-ci. Ensuite, l'attaque pour le deuxième. Patatras dans sa face. Elle le crame direct aussi. Première étape du couloir de la mort atteinte. Sauf que, Dayak n'est pas dans la tanière. Et pour clore
le couloir de la mort, il faut que tout le monde soit regroupé. Mais je n'ai pas fini avec Pius. Alors ceci dit, elle ne peut pas fouiller parce qu'il n'y a plus aucun dé à disposition. La seule chose qui lui reste à faire, c'est un jet inférieur ou égal à 6. C'est un 16. Donc non. Pas de point d'exaltation pour Pius. Je garde le dé de sombre roche en main. Parce que les éventuels snipers en renfort, non. 2, oui. Alors là, je ne m'inquiète pas. Sur un 2, il y a 4 petits, non pas snipers, parce que ce ne sont plus eux qui sont censés apparaître. Ce sont tout simplement des guardsmen armés de... Eh bien, d'armes de corps à corps et puis d'une arme simple à distance. Ils apparaissent ici au plus près et ils ont droit à un mouvement gratuit. Il n'y aura pas d'attaque. Donc là, Dayak, il va falloir qu'il s'affole un petit peu pour rentrer à l'intérieur de la chambre des Urgules. C'est à lui d'agir. Donc il se déplace de 3. Qu'est-ce qu'il a de bon, lui ? Plein de choses. 1, 2, 3. Déjà, on sait qu'il va se positionner ici. Test d'agilité avec le dé 8. Est-ce que Dayak est suffisamment agile ? Non. Donc, comme UR, il se prend une blessure grave et une blessure légère. Aïe ! Sauf que, perle de méditation, il prend les perles dans son sac. Il épuise, il dépense un point d'exaltation pour retirer tout de suite une blessure. Je préfère le faire maintenant parce qu'on ne sait pas ce que va nous réserver le tour 7. Dayak, il lui reste 2 dés. Et là où ça n'est pas cool, c'est que ce sont des dés à 2 ou 3. Donc il ne... Ah, ah non, j'allais dire, il peut relancer son jet, mais non. Son amélioration d'arme, c'est uniquement, bien sûr... contre un jet d'attaque raté. Eh bien, ainsi s'achève le tour de Dayak. Maintenant, un petit événement. 14. Ah, c'est dégueulasse, ça. Coupure de la barrière laser. Les explorateurs n'ont pas à faire de jet d'agilité pour s'être déplacés ou avoir entrepris une autre action sur la case de barrière laser lors du prochain tour. Donc, elle est désactivée. Et voilà. Et voilà, on va arriver sur la fin. Alors sur la fin, c'est-à-dire un petit tour numéro 7. Ah oui, jusqu'à la fin du prochain tour, je suis en train de penser là, la lecture de la phrase, ça veut dire que les guardsmen... Ah non, là, ils sont trop loin. Ils ne pourront pas bénéficier de ça. Ça veut dire qu'elle va se réactiver à la fin du prochain tour. Alors je vais laisser ça à côté pour tâcher d'y penser. Et puis, donc, cette fois-ci, eh bien, on passe au tour numéro 7. Ah, mais attendez. Je vois là le marqueur en alerte de Thaddeus. Il bénéficiait d'un 4. C'était un 4 transformé en 3, d'ailleurs. Alors ça, ça change plein de choses. Mais vous auriez pu gueuler plus fort pour me le dire. Parce que là, je rembobine... Ça va être assez simple finalement, parce que Thaddeus aurait dû agir lors de l'attaque des Urgules contre UR. Si Thaddeus arrive à éliminer un des deux Urgules, ça veut dire que UR ne se sera pas pris sa dernière blessure légère pour le mettre hors combat. Donc Thaddeus, tout va reposer sur toi. Il peut faire pour un 3+, son attaque cerveau-mitrailleuse. Alors pour le principe, je vais replacer un des deux Urgules. D'ailleurs, c'est celui qui était... il va viser celui qui était déjà blessé. Allez, cerveau-mitrailleuse. Voilà, donc le premier Urgule avait 2 blessures. Donc là, il lui inflige sa 3e blessure, ce qui fait qu'il est éliminé. Et pour le coup,
je vais pouvoir redresser UR qui n'aura pas subi sa dernière blessure. Là, je vous le fais dans la foulée, un petit peu à l'arrache, mais je pense être pas trop mauvais dans ce raisonnement-là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Tout ça pour dire que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous passons au tour 7. Allez, on y va pour le dernier tour. Normalement, oh, pas gentil destin. Au moins, on a un 4 pour se le réserver sur une fouille. Après, Thaddeus, aucune blessure. Oh, super! Non seulement il pourra fouiller comme il veut 4 fois de suite, mais plutôt faire 2 fouilles, 2 soins sur ses petits copains. Et là, en plus, ils sont tous collés les uns aux autres. Donc, tous ceux qui sont adjacents vont être concernés. Pius, un 6, parfait, et un 2. Très, très bien. Ensuite, Dayak. Ouais, ça, bon, là, ils sont vraiment très, très motivés pour sortir. Et enfin, UR, avec son tout petit dernier dé, bah oui, un 3 forcément, avec les coups qu'il a pris dans la carcasse, ça n'est pas évident d'agir correctement. Notre piste d'activation, éventuellement les négavolts en premier, et après, alors là, c'est un boulevard, un Dayak Thaddeus. Les... Ah, en 4, oui, j'avais pas fait gaffe, les Urgules qui pourraient revenir. UR... Et puis après, bon, Space Marine et Sniper, Pius en dernier, mais je ne pense pas que ça va être un très très gros problème. Je ne fais pas du tout de... comment ça s'appelle, de manœuvre, de tir de couverture. Ça ne va pas avoir son intérêt là. Mais par contre, on commence avec les renforts, nous avons dit, des Négavolts. S'il y en a 4, alors, très bien. Ça veut dire pas d'apparition et pas de relance. Maintenant, Dayak. Alors, Dayak, tu en es où, toi, dans ta vie de chasseur croûte? Tu as déjà un épuisement de perles de méditation pour enlever que dalle. Ça, c'est fait pour enlever une blessure légère. Donc, ça ne sert pas. Mais... Ah ben non, il ne peut pas se soigner. Il est uniquement en blessure grave, là, donc on oublie. Eh bien, ce qu'il fait, il consomme son 6 pour pouvoir, et là, je dois faire le G, 5 ou 6. 1. Il ne trouve pas l'arme de l'âge sombre. Ok. Bah, de toute façon, hein, on y va dans la surconsommation. Il prend le 4 des dés du destin. Il ne trouve toujours pas l'arme de l'âge sombre. Son intérêt va être quoi? Peut-être de se mettre en alerte. Il ne peut pas placer de piège. Ouais, allez, pour... Il se met en alerte. Ça lui fait au moins un dé à 2+. Bon, c'est pas folichon, c'est pas dingue. Je relis bien la règle quand même de fouille pour l'arme de l'âge sombre. Une action fouillée, on jette un dé d'activation, de 1 à 4, on ne trouve rien, mais une autre fouille peut être entreprise. Eh bien, on passe après Dayak à Thaddeus. Alors Thaddeus, lui, on a dit que il pouvait se permettre déjà de faire 2 fouilles. Alors je vais prendre tout de suite ces 2 dés-là, et puis les jeter en même temps. Purée. 3-4, c'est foiré. Il consomme un 6. Allez, aïe, 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 c'est pas vrai. Il reconsomme son dernier 6. Ouais. Et j'ai cru que ça allait nous pourrir. Il aura fallu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetés de dés pour trouver ce pourquoi nous sommes rentrés ici. L'arme de l'âge sombre, amplement méritée dans ces couloirs de la mort. Et bien voilà, ça veut dire que nous allons faire un retour à précipice. Tout le monde est sur pied avec un espèce de rattrapage à la dernière seconde extrémité.
Donc on passe à la phase de rétablissement. Alors, rétablissement, Thaddeus n'a besoin d'effectuer aucun jet. Par contre, Pius, elle, pourrait éventuellement enlever tout de suite une blessure. Oui, c'est un critique, donc elle peut virer jusqu'à deux blessures normales. Ensuite, Dayak, bah lui, ne pourra rien faire, mais à la limite, c'est une phase qui est un petit peu bizarre parce que comme on considère, et ça je vous le rappelle que c'était dans la FAQ de Games Workshop, hein, sur leur site, on pouvait trouver donc tout un tas de réponses à différentes questions. Et bizarrement, ils notaient noir sur blanc que lorsque l'on revient à précipice, toutes les blessures sont soignées. Donc pour le coup, ça squeeze complètement la phase rétablissement de fin de partie. Tiens, bah, UR nous fait un critique, et grâce à son critique, il peut retourner un pion blessure grave sur sa phase blessure au lieu de retirer deux blessures. Bon, voilà. Donc, ça c'est fait, et c'est pour ça, pour en finir avec cette histoire de jet de rétablissement, que j'avais instauré la règle de me dire quand on rentre à précipice, on ne se guérit pas automatiquement des blessures graves, mais ça implique de faire quand même des jets de rétablissement pour tenter de se soigner. On va voir, parce que pour finir avec les couloirs de la mort, on a d'une part récupéré l'arme de l'âge sombre. Je verrai à qui Janus l'attribue. Alors Janus, il va être content, hein. C'est clair, mais il y a des récompenses supplémentaires. On jette un dé de destin pour chaque explorateur qui a participé à l'expédition. Et le résultat va être ajouté à ces points de trafic dont il dispose pour justement faire la séquence de précipice. On commence par Thaddeus, qui lui va récupérer, et ça c'est beau, 5 points de trafic. Ensuite, Pius, un seul point de trafic. Bon, Dayak. 5 points de trafic. Non, ça n'est pas cassé. Je vous rappelle que je ne gère pas de dés cassés. Et 2 points pour UR. Ok. Ce qui quand même est vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir investir encore dans quelques objets. Et là, je vous dis pas, avec le matériel qu'ils ont d'avance, que je n'ai pas claqué, plus le matériel que l'on va normalement pouvoir acheter, plus le matériel qui se trouve déjà du côté de Janus et Sperne, les deux jumeaux, sans oublier Amaline, ça veut dire que la crypte cachée, parce qu'on y va à cette crypte cachée, eh bien la crypte cachée va souffrir. Allez, d'abord précipice. Nous voici donc de retour à précipice, vainqueurs sous les applaudissements, on peut le dire, de Amaline, Janus, les deux jumeaux, et puis Esperne, Locarno, bien sûr, ne l'oublions pas. Donc on commence cette phase de précipice avec la carte legs. Pour mémoire, on est plutôt bien sur les legs parce qu'il fallait impérativement arriver à la crypte cachée avant d'épuiser tout le paquet cartes legs. Mais on avait de la marge parce que les cartes concernant chaque bastion sont intégrées après réussite sur la pioche des cartes legs. Donc vous voyez, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avait 9 de cartes en rab. Je pioche donc la première qui va être. Oh, ça pue, ça c'est de la menace. Augmentation du niveau de menace, doubler le nombre de spindles rencontrés lors des rencontres Spindle Drone. De plus, il commence les rencontres de combat avec un niveau de menace de 1 au lieu de 0. Donc ça, c'est à tenir pour tout le reste de la campagne. Heureusement, il ne nous reste plus que l'expédition vers la crypte cachée. Et puis, ce qui reste actif, eh bien, c'est toujours le nanovirus. La tempête de débris qui va nous rajouter plus 1 sur les ressources, les Rogue Upcycler, les Space Marines du Chaos, mais ça n'a pas vraiment de grosse incidence.
Donc, voici pour la phase de leg et maintenant la phase de trafic. Il n'y a aucune utilisation des installations, ni du Clarion, ni du long courrier, ni du crave de château, parce qu'on n'en retirera pas quelque chose de particulièrement bénéfique. De l'indice sur le Clarion, on s'en fiche. Éventuellement, une carte archéotechnologie, ça ne va pas nous servir. Quant aux installations du Crave de Chao, on peut commencer l'expédition suivante avec un point d'exaltation, mais ça implique de résoudre un défi. Je ne souhaite pas le faire avec Dayak. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est donc le trafic. Alors, comme ils vont investir chacun sur leur propre vaisseau, ils ont droit à un bonus de 1 point de trafic supplémentaire, mais n'oublions pas que ce point de bonus est finalement annulé par la tempête de débris, où chaque ressource vont être augmentées de 1. Donc ce sont des achats, tout ce qu'il y a de plus standard, en commençant par Thaddeus. Alors là c'est très simple, hein, les trois premières cartes piochées du paquet du Clarion, ça a été cerveau-crâne, stimulant amélioré et stimulant. À eux deux, avec Pius, ils peuvent donc dépenser 7 pour Thaddeus et 1 pour Pius. Donc les trois cartes sont à eux. Alors, je défausse tout de suite. Thaddeus n'a plus de pion, de carte archéotechnologie. Par contre, Pius, il lui en reste quand même 2. Quant à UR25, lui possède 7 à pouvoir dépenser. Donc il va prendre pour 1 les améliorations de munitions tête chercheuse et puis mode automatique fabrication de munitions, des cartes à une à défausser, une à épuiser. Il lui reste donc alors que je dise pas de bêtises, 5 et 1, 6, il va lui rester 1 point d'archéotechnologie en rab. Quant à Dayak, sur le Craft Château, lui est intéressé pour 3 points par un orbe Antedil, et ce sera une défausse pour pouvoir utiliser cet orbe. On met ça de côté, et ça lui coûte 3, il lui reste donc 1. Voilà pour l'étape de précipice, mais il nous reste quand même une ultime étape à faire. Ça va être le point blessure et le choix de qui va partir à la conquête de la crypte cachée. Voici donc l'heure du choix qui est arrivée pour partir dans la crypte secrète. Avant ça, je veux rétablir un petit peu les scores de blessures en commençant par éliminer toutes les blessures légères. Ça, c'est d'office, c'est cadeau. C'est-à-dire qu'il nous reste quand même pas mal de blessés graves. Hein. Pius, Dayak, UR25, les jumeaux, Esperne, Amaline et Janus. Mais je vais leur faire faire quand même un jet de vitalité pour voir s'ils arrivent partiellement à récupérer. Je commence par Pius. Elle conserve malheureusement sa blessure. Dayak, c'est un critique, il se soigne. UR n'est plus concerné. Alors, une exception faite avec Janus. Non, pas d'exception. Il est blessé et par contre, Amaline, elle... Je vais lui faire faire 3 jets de vitalité. Un pour chaque blessure. Elle peut retourner un pion sur cette face-là. Et enfin, le troisième, elle peut retourner 2 pions. Bon, et ce qui va revenir à dire, ne mégotons pas, qu'elle arrive à se soigner de 2 blessures. Esperne, lui, c'est un critique, il l'enlève. Et les jumeaux vont faire 2 jets. Un critique, ils en enlèveront au moins une. Alors, c'est une règle un petit peu à l'arrache, hein, comme vous le voyez, qui n'est pas prévue dans les règles de campagne, mais c'est pas grave. Ça va pimenter un petit peu plus le choix concernant nos explorateurs. On en a 4 qui sont exaltés. Janus, Amaline, Esperne et les jumeaux.
Ils ont tous plus ou moins quand même des points d'exaltation sur un quota qui est pas mal. Alors, une première chose qui est évidente, c'est que Janus, ça je vous l'avais annoncé, ira forcément dans la crypte cachée. C'est quand même lui l'instigateur de tout, de toutes ces expéditions. Il veut percer le secret. Et puis, eh bien, on va faire ce que l'on a coutume de faire dans ces cas-là. C'est vous qui allez choisir et voter pour les trois autres explorateurs qui vont l'accompagner. Autant vous dire que je vous tiendrai pour seul responsable d'un échec, mais je vous féliciterai largement si nous arrivons à décacheter l'enveloppe. Alors voilà, on a Thaddeus qui n'est pas blessé, 2 points d'exaltation. Pius avec 3 points mais qui commencerait avec sa blessure grave. Dayak qui n'est pas blessé avec 2 points d'exaltation. UR25 non blessé, 3 points d'exaltation. Les jumeaux, une blessure grave, un seul point d'exaltation. Espern a toute sa vitalité, il n'est pas blessé et a 3 points d'exaltation. Quant à Amaline, elle a 2 points d'exaltation, mais une blessure grave. Voilà, eh bien écoutez, choisissez, on assumera bien évidemment tous ensemble le résultat de cette ultime expédition. Moi, je vais laisser passer quelques jours, bien sûr, d'une part, pour vous laisser le fameux choix, et puis d'autre part, j'ai 2-3 bricoles à préparer, j'ai retrouvé 2 éléments de décor futuriste que je vais pouvoir sous-coucher et puis peindre un petit peu, étudier le plateau au maximum de la crypte cachée. Donc, nous nous revoyons très très bientôt. J'attends vos retours. Allez, ciao!